Alors, deuxième point, que dire de l'incarnation en faisant une lecture croisée de ces textes? Comment commence-t-il? Alors, si on regarde bien, tous les deux commencent avec cette dynamique commune de parler de cette irruption dans l'histoire. L'irruption dans l'histoire, le temps de Dieu, le temps des hommes. Alors, on va commencer avec l'évangile de Luc, qui commence donc avec ces premiers versets-là. En ces jours-là, c'est toujours une belle formule pour tout dire et rien dire, hein, surtout quand on le prend comme ça dans un contexte liturgique, on rajoute cette petite formule introductive qui passe partout. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors, à première vue, nous, lecteurs, lectrices du XXIe siècle, on ne comprend pas bien en quoi c'est original, en quoi c'est spécial ici de commencer de cette manière-là. Mais je vous assure, c'est vraiment, du point de vue biblique, une innovation. Alors, pourquoi une innovation? C'est parce que si vous prenez n'importe quel texte dans l'Ancien Testament, on commencera toujours par dater un événement, par le situer dans l'histoire en disant au temps du roi David, au temps du roi Josias, au temps du prophète Amos. On va situer ça par rapport à une figure royale ou alors à une figure spirituelle importante. Et là, ce qui est vraiment innovant, c'est de sortir de l'histoire religieuse et nationale d'Israël. Ici, on est en train de parler au niveau du monde connu, on sort vraiment au niveau de l'Empire. Donc le cadre, il est posé dès le départ. Ici, on est dans le temps du monde. Et ce temps-là, donc, il est caractérisé par la mention de personnages politiques, et rien de moins que l'empereur. Et ensuite, Quirinius, un gouverneur. Donc à la fois c'est une manière tout à fait courante de se situer dans l'histoire, mais aussi par rapport aux habitudes, tout à fait innovante aussi. Et c'est encore plus, ça prend du relief quand on compare, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au volet Jean-Baptiste dans le même évangile. Et l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, donc en Luc 1,5, on se situe dans le temps en disant « Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. » Donc là, c'est bien le cadre de l'histoire religieuse et nationale d'Israël, pour Jean-Baptiste. Mais pour parler de cette inscription dans le temps pour Jésus, on va sortir, on va élargir. Et on va parler, donc toute la terre que j'ai mis en gras ici, c'est « l'oïkouméné » en grec. L'œcuméné, vous reconnaissez hein, ce terme œcuménique. Hein. Donc, l'œcuméné. Et ensuite, on a encore une autre mention. On a la mention du recensement. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Alors là aussi, on va se dire, un recensement, quoi de plus normal? On est habitué dans nos sociétés, aujourd'hui, le recensement, c'est pour prendre des bonnes dispositions. Il y a plein de raisons, hein, mais aussi d'avoir les bonnes structures sociales, etc. Le recensement, dans la pensée biblique, c'est pas du tout cette manière-là de voir les choses. Dans la pensée biblique, recenser, c'est l'orgueil suprême du pouvoir. C'est l'orgueil suprême du pouvoir. C'est vouloir dénombrer avec précision le nombre de personnes dans un pays et de prendre ainsi possession de la population et du pays. Parce que seul Dieu connaît le nombre de son peuple, le nombre de personnes de son peuple, son troupeau, ses brebis. Donc le dénombrement, c'est même un interdit biblique qui ne dit pas son nom. On a deux grands récits dans l'Ancien Testament, hein, entre autres dans le livre des Chroniques, où on voit vraiment à quel point
C'est un interdit de vouloir dénombrer le peuple. Mais cette mention du recensement, c'est aussi notre manière d'inscrire Jésus dans un temps et de dire en quelque sorte qu'il va être compté parmi cette humanité. Alors, pour situer ça plus précisément dans le temps, bien sûr, des historiens juifs comme Flavius Joseph vont parler des recensements, entre autres de celui de Quirinus. Mais bon, si on veut essayer de vraiment trouver la date, le jour, l'heure près, c'est impossible, parce qu'entre la mention de l'empereur Auguste et entre le recensement de Quirinus, on n'arrive pas à faire une parfaite équation. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Ça nous montre comment on inscrit ici cet événement-là dans l'histoire. Et on voit aussi comment, du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Famille va rentrer dans cette démarche-là, et Joseph, en bon père de famille, va accomplir, selon la coutume juive, de se rendre dans son lieu d'origine. Donc son lieu d'origine qui est désigné avec l'expression « la ville de David », qu'on appelle Bethléem. Alors c'est bien de rajouter « appelé Bethléem », parce que normalement, la ville de David, ce n'est pas Bethléem. Quand on prend cette expression-là dans la Bible, c'est pour parler de la capitale. La ville de David, c'est Jérusalem. C'est la ville qu'il a érigée comme capitale, qu'il a prise. Bethléem, ça fait référence aussi à David, bien sûr, c'était aussi sa ville, mais on fait référence dans ce cas-là à un épisode bien particulier. On fait référence à 1 Samuel 16, on fait référence au jeune berger. Et ça, c'est quand même assez important parce que ça nous dit aussi comment on doit lire ce récit qui va suivre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce jeune David, ce n'est pas le roi militaire, ce n'est pas le roi guerrier, ce n'est pas le roi militaire. Et ça, ça détonne aussi par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au personnage politique, hein, par rapport à cet empereur qui fait cette démarche toute puissante de vouloir dénombrer les gens. Or, en parlant de ville de David, Bethléem, on fait référence non pas à ce roi guerrier, David, ce roi militaire, conquérant, mais au jeune berger. Quand Samuel se mettait en quête de ce second roi, qu'il est allé à Bethléem, dans la famille de Jessé, qu'il a cherché parmi tous les grands frères, qu'il ne trouvait pas, et là, Dieu lui murmure, d'abord c'est Samuel qui dit « Sûrement c'est lui le Messie, celui qui recevra l'onction du Seigneur », en parlant d'un grand frère qui est beau, qui est grand. Et puis donc là, Dieu lui dit, va lui dire après, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Et ça, voyons, en mettant ce critère de discernement en arrière-fond du récit de la nativité, ça prend aussi tout un sens particulier. Donc la ville de David, Bethléem, fait référence à cela, mais fait aussi référence à un autre texte, le texte prophétique de Michée, qui se retrouvera aussi dans le récit de la nativité chez Matthieu. « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Donc gouverner, et l'image du gouvernement dans les textes bibliques, et même dans les civilisations mésopotamiennes, c'est l'image du berger. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois, mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Et ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Et voyez comme cela entre en résonance avec, ici, d'inscrire Jésus dans l'oïkouméné. Jusqu'au lointain de la terre. Donc en conclusion, pour là ce récit de Luc, le temps, alors c'est celui du monde connu, le temps des hommes, qui est régi par un système de pouvoir qui se veut absolu, au-dessus de Dieu, avec cette mention du recensement. Et on ne peut pas parler de temps sans parler de lieu, donc avec Bethléem, on a un lieu qui est insignifiant dans cet ensemble hein, de l'Empire, insignifiant. Une petite bourgade qui fait référence à un petit berger d'un autre temps, qui est devenu Messie-roi. Et tout ça, ce n'était pas une évidence pour les hommes. Le prophète Samuel ne s'y attendait pas et a dû revoir tout son processus de discernement. Voilà un peu l'arrière-fond du temps des hommes dans ce premier récit. Alors, si on passe au prologue de Jean, on a
une réflexion sur le temps qui est complètement différente d'emblée, avec ce verset d'ouverture, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. » Donc les premiers mots, d'une manière originale, se réfèrent quand même à un temps, celui du commencement, énarché en grec, qui fonctionne comme un signal intertextuel pour celui qui va entendre ça en grec, hein, qui n'a pas entendu dans la superbe version de l'AELF. Je rigole, c'est ironique. Non, c'est parce que, voilà, je reparlerai tout à l'heure, c'est la traduction de la nouvelle traduction liturgique, elle est importante pour qu'on puisse tout de suite assimiler, mais c'est de loin pas la plus précise au niveau des mots, surtout quand on a des textes comme ceci qui sont très précis, avec des jeux de mots, avec qui font allusion à des textes qui renvoient à d'autres textes de l'écriture. Voilà. Donc on ne peut pas percevoir tout ça dans un contexte liturgique, c'est impossible. Donc un signal intertextuel qui nous renvoie à Genèse 1.1. Mais on peut se questionner, est-ce que ça renvoie au même commencement que celui où on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Parce que là, on se situe dans un autre registre. Hein. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu ». On ne parle pas forcément ici d'un acte créateur. On se situe encore avant. Ce que certains théologiens appelleront le silence qui précède la création. On a des textes ensuite de la sagesse dans l'Ancien Testament qui font référence aussi un peu à cette réflexion-là. Par exemple, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 24, « Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action », donc on parle de la sagesse, « première de ses œuvres depuis toujours, avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. » Et Rashi, le célèbre maître médiéval de l'exégèse juive, disait en parlant de Genèse 1.1 que le premier mot, alors en hébreu « Bereshit », commence par la lettre « Bet », qui n'est pas la première mais la deuxième, parce que la première lettre « Aleph », qui est la première lettre d'un des termes pour parler de Dieu, « Elohim », ça renvoie vraiment à ce commencement insaisissable. Donc on ne se situe pas en Genèse 1.1 au commencement. Un commencement de la création peut-être, mais il y a un autre commencement dont on ne parle pas. Mais dans les versets suivants, on va parler du rôle créateur de la parole. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Alors quand je vous disais que c'est compliqué parfois avec des traductions comme ça qui sont faites pour être entendues et rapidement assimilables, c'est que ici, je vous ai mis en gras, est venu, c'est fait, c'est fait. On a trois fois le même verbe. Parce que, vous l'avez entendu tout à l'heure quand on a lu le texte, que c'est un texte donc poétique, avec une poésie particulière, avec un raisonnement qu'on appelle aussi par escalier. On va petit à petit, même si on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond, on avance, on franchit des étapes. Là, on a trois fois le même verbe, ginomai en grec, qu'on pourrait traduire aussi par « devenir »,« commencer à ». Et ici, c'est une manière vraiment poétique de raconter l'entrée dans le temps des hommes. Parce qu'avant, si je vous remets le premier verset, vous aviez tout le temps le verbe « être ». Commencement était le verbe, était auprès de Dieu, était au commencement. Le verbe « être » à l'imparfait, verbe d'état, on est dans l'imparfait, dans ce temps qui dure. Et là, on va passer, dans ces deux versets-là, avec un autre verbe qui est un verbe très dynamique, un verbe, un des verbes aussi pour dire un acte créateur. Donc, on va passer aussi de l'imparfait à l'aoriste. Alors, on n'a pas d'équivalent pour l'aoriste en français, mais ce temps en grec, c'est celui de la ponctualité. C'est celui vraiment d'une action inscrite dans un temps particulier. On sort ici vraiment, c'est l'opposé de l'imparfait.
Donc ces deux éléments combinés introduisent une rupture brutale dans le texte. Changement de verbe, changement de temps. On passe ici d'un temps de Dieu au temps des hommes. Et on va avoir ces allers-retours permanents dans le texte, on ne va pas tous les prendre, jusqu'à un fameux verset qu'on verra tout à l'heure, le verset 14. Et autre mention de l'inscription dans le temps, c'est cette référence à Jean le Baptiste, qui là est une manière de dire, on s'inscrit dans le temps des hommes, mais dans quel temps des hommes? C'est celui de l'époque de Jean le Baptiste. Donc Jean le Baptiste, qui a vécu en Palestine, à une certaine époque, dans une certaine culture. Donc si je résume avec l'évangile de Jean, avec le prologue, on va avoir passage d'un verbe à l'autre, passage d'un temps à l'autre, et aussi, parce que si vous regardez bien dans le texte, on passe de la poésie à la prose à ce moment-là, en parlant de Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, on passe subitement à la prose. Donc au récit. Et on va avoir quelques petites incursions narratives dans le prologue. Ça montre aussi qu'on passe à quelque chose de raconté. Donc tout ça combiné montre comment on fait ici une éruption dans l'histoire. Et pour conclure sur cette deuxième partie, ça, c'est le propre des récits bibliques, c'est aussi, des textes bibliques, c'est cette manière de parler du temps. Et là, je vais vous citer Bernard Cesbouet, les récits du salut Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui récapitule ça en disant « Trois temps principaux viennent ainsi structurer le récit du salut. » On a d'abord le temps de l'accoutumance et de la prophétie, on en a parlé ce matin, le temps de la promesse, celui de la mémoire, sous le régime de la première alliance. Dans un second temps, on a le temps de l'accomplissement, qui donne lieu au récit de l'événement Jésus. Et le troisième temps, c'est celui de l'Église, sacrement du salut, dans laquelle celui-ci est vécu par des hommes qui demeurent toujours en devenir de conversion. Et ça, dans les évangiles, ça ne fait qu'un. Parce qu'on a toutes ces références aux prophètes, aux Écritures, aux promesses de l'alliance. C'est le temps de l'accomplissement, mais en même temps, c'est rédigé par les communautés chrétiennes. Et ces trois temps se modèlent sur l'économie trinitaire. Le premier temps, donc celui de la prophétie, des promesses, c'est celui de l'initiative du Père. Le second temps, celui de l'accomplissement, c'est celui de l'envoi du Fils. Et le troisième temps, celui de l'Église, c'est celui du don de l'Esprit. Et ces trois temps entretiennent entre eux et dans les textes bibliques une relation complexe. En quelque sorte, la totalité du salut est présente dans chaque événement. Ainsi, non seulement le salut est-il un récit de récits, mais le récit total du salut, de la bonne nouvelle, est présent à chaque récit en particulier. Les segments narratifs, donc par exemple ces deux péricopes qu'on vient de lire, qu'on a découpés, ici qu'on a extrait, bien sûr, il faut les remettre dans leur contexte pour les comprendre parfaitement parce que c'est une partie d'une unité plus large, mais on peut quand même sentir dans ces segments narratifs la même chose que dans le tout. Et cela se vérifie éminemment dans les évangiles où la totalité de l'évangile est immanente à chaque péricope construite comme un évangile pour provoquer la foi. Donc je vous ai parlé avant dans l'évangile de Luc des promesses de Michée, qui sont dans le livre de Michée. Et vous avez, par exemple, pour illustrer le temps de l'accomplissement, au verset 6, « Or, pendant qu'ils étaient à Bethléem, le temps où elle devait enfanter fut accompli. » Et dans les récits de l'enfance, dans les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Luc, vous avez ce refrain de l'accomplissement qui revient sans cesse pour chaque épisode. En méditant cette irruption de Dieu dans notre histoire, et avec ce que Élodie vient de nous dire, où certains auteurs distinguent trois grands moments, celui de la prophétie, de la mémoire, le deuxième temps, celui de l'accomplissement, et enfin le temps de l'Église, le temps dans lequel nous serions maintenant, où nous sommes maintenant, nous invite à un temps de conversion. Un temps de changement.
changement des temps ou du temps, changement ou conversion du regard, mais certainement plus encore un changement dans notre cœur. Et le pape François, dans un texte de 2017, du 27 décembre 2017, à l'audience générale, voilà ce que le pape François discernait dans le temps qui est le nôtre. À notre époque, en particulier en Europe, nous assistons à une sorte de dénaturation de Noël. Au nom d'un faux respect qui n'est pas chrétien, qui cache souvent la volonté de marginaliser la foi, on élimine de la fête toute référence à la naissance de Jésus. Mais en réalité, cet événement est l'unique et vrai Noël. Sans Jésus, il n'y a pas de Noël. Il y a une autre fête, mais ce n'est pas Noël. On peut fêter la solidarité, on peut fêter la famille, on peut fêter les enfants, on peut fêter tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas Noël. Noël reste la naissance de Jésus dans notre histoire, dans notre monde. Et si c'est Jésus qu'on trouve au centre, alors tout ce qui est autour, également, c'est-à-dire les lumières, les sons, les diverses traditions locales, y compris les plats caractéristiques, ils ne connaissaient peut-être pas les pritels. Tout concourt à créer l'atmosphère de la fête. Mais avec Jésus au centre. Si nous l'ôtons, la lumière s'éteint et tout devient factice, une apparence. Dans l'image que vous voyez, on va parler que de la France. Il n'y a qu'en France où on est agité par cette notion de la laïcité. Au nom de la laïcité, on évacue toute référence religieuse. Il ne faut surtout pas choquer ceux qui ne partageraient pas notre foi. Et il ne faudrait surtout pas qu'une autorité accepte ceci alors qu'elle n'accepterait pas autre chose, ou si elle accepte ceci chez l'un, il faudrait qu'elle accepte aussi quelque chose chez l'autre. Mais un fonctionnaire haut placé récemment nous disait dans une communication à la faculté de théologie dont on fêtait le centenaire du maintien dans l'université française, ce haut fonctionnaire disait, conseiller aux affaires religieuses au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères, mais aussi à Beauvau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, il nous disait, la laïcité n'est pas une valeur de la République. C'est un moyen que s'est donné la République pour faire vivre les valeurs fondamentales de la République qui sont liberté, égalité, fraternité. La laïcité est au service de ces trois-là et non pas celle qui englobe les trois autres. C'est un moyen et non pas une valeur. Dans la conversion que nous avons à vivre, c'est aussi prendre en compte tout cela pour vivre Noël dans la société qui est la nôtre. Et dans cette société, nous sommes introduits dans les fragilités. Et ça va être le troisième point de notre méditation cet après-midi. Et dans ces fragilités, il y a des conversions aussi à opérer. Nous voyons ici une crèche minimaliste. Un morceau de bois sur lequel il y a des noms. Tout simplement. Loin de nos imaginations très fertiles concernant Noël. Mais il y a d'autres crèches encore plus minimalistes
où ici ne sont pointées ou n'est pointée que la seule présence ou les relations interpersonnelles.